aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai reçu tous les colis que j'attendais. Alors déjà j'en ai profité pour qu'il y avait un bon de réduction pour commander un kit de pinceaux tout facile, tout fast. Bon, moi j'ai toujours tout facile. Alors comme vous voyez c'est marqué cruel free, c'est à dire que c'est pas en poil d'animaux. Ils sont très mignons, ils sont roses comme vous voyez avec des petits cœurs. Voilà, il y a pour le blush, la paupière, le contouring, l'estompeur et l'eyeliner. Voilà. Je vais faire juste la présentation là parce que je n'aurai pas le temps et j'ai un autre produit à vous montrer. Alors, notre meilleur brush, c'est le... Voilà. Et c'est marqué derrière, nos pinceaux exclusifs en poils de nounours sont fabriqués sans cruauté envers les animaux à partir de somptueux poils synthétiques aussi doux et soyeux que de vrais poils d'ours, mais sans les mauvais traitements infligés aux animaux pour les fabriquer. Les poils de nounours capturent et mélangent la quantité idéale de pigments pour un résultat toujours parfait. Nous avons sélectionné les 5 pinceaux incontournables, je regarde mon chat, dont chaque femme a besoin pour se redessiner un regard envoûtant digne d'une professionnelle. Ils se rangent à merveille dans notre pochette chic à fermeture éclair ornée d'une breloque en forme de nounours, fabriquée avec un poil synthétique riche teddy bear. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Toujours même, je crois que je l'ouvre par là. Il y a une petite trousse qui va avec. Voilà. Je vais vous montrer ça. Sandrine, de toute façon, l'avait présenté. C'est à cause d'elle que j'ai commandé. Voilà. Petite trousse comme ça. Avec un petit nounours. Comme vous voyez. Ça rentre dedans, hein, de manière. Et dedans, c'est très mignon. Oh, c'est un petit sachet, je pense, contre l'humidité qui est tombé. Voilà. Petit sachet et un petit intérieur, excusez-moi, des petits ours. Qu'est-ce qu'il marque ? Elle est marquée tout face. Hop là, je vais la côté. Avec ça, bien sûr, nous avons le kit qui est en poil très doux d'ailleurs. Je vais les sortir un à un, comme ça pour les ranger. On a le powder, voilà, qui est un poil très très doux. Effectivement, c'est à très très bonne qualité. On marque tout fast. Hop, il y a. C'est tout, en plus, c'est marqué All Over Shadow. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, il est marqué tout fast aussi, toujours. Poil très doux. Nous avons. Le contour, j'allais dire le contouring à force de parler anglais, voilà, qui est en biseau, pinceau biseauté pour faire justement le contour des yeux. Ça, très bonne qualité aussi. Et ça, c'est le blender, c'est pour estomper. On avait déjà, là j'en ai profité pour me faire plaisir. Voilà, un petit poil comme ça. Et le dernier produit, pinceau. C'est le liner. Voilà, on le voit. Qui est en forme de pointe. Voilà. Là, je les ai tous rangés. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit tutoriel maquillage. Bon, avec ça, j'ai reçu bien sûr le petit fascicule de Sephora avec leur exclusivité, leur produit qui fonctionne, qui marche fort en ce moment, la chocolate bar dont je reparlerai, que j'ai reçu de. Ça me revient pas, vraiment, ma pauvre chérie. Bon, j'ai reçu une autre comme ça, qui n'est pas la vraie tout facile, la vraie chocolate bar, mais on fera une comparaison dans une vidéo. Et je vous montrerai la différence entre les fards. J'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. Ça, c'est tous les produits. Hein. Voilà. De toute façon, vous les connaissez tous. C'est pour un Eugénie. Hop là, ça me revient donc. Hop. Et là, j'ai un petit échantillon de filtre d'amour directement sur le site. Donc, j'ai eu au moins 7 euros de frais de port. Il y a un autre lien de site pour l'avoir où c'est en colissimo. Là, c'était un UPS. Là, c'est marqué fragile avec un cœur. Et c'est marqué never
Neve, pourquoi je dis Neve, moi? Neve Cosmetics. Il paraît qu'il y a beaucoup de youtubeuses en ont parlé. Moi, je l'ai payé, donc j'ai découvert, parce que Sandrine me l'a fait découvrir. Voilà, d'ailleurs, c'est très très bien présenté. Je la sors, je ne l'ai pas encore, je vous la montre et je ferai un tutoriel maquillage si je peux. Voilà, là, c'est fermé comme ça. Je la présente au moment, Neve Cosmetics. Très très bien protégé, donc là je l'ai commandé sur le site officiel et c'est ouais magnifique et c'est en duochrome, même c'est en duochrome, je sais pas si vous voyez même sur le couvercle, voilà, derrière il y a les fards, c'est encore dans le petit plastique que je vais ouvrir. Bon, une petite palette rose magnifique, voilà, et je vais l'ouvrir. Sans plastique, il y a un petit étui mousse pour protéger les fards, et voici les fards. Par contre là il y a du soleil, on devrait bien le voir. Alors on va commencer par un très beau vert scarabée qui est comme ça. Comme ça, sinon ça va faire. Il y a un mauve aussi. Hop. Très beau. Vous voyez, j'adore ces couleurs. Il y a une sorte de brique. Comme vous voyez. Hop. Il y a une sorte de prune, je dirais. Prune, celui-là. Je ne vais pas avoir assez de doigts. Voilà ce que ça donne. Et un autre vert un peu plus soutenu, un peu plus foncé. Je vais mettre sur le pouce. Voilà. C'est un vert un peu cendré, un peu marronné. Voilà. Je vais passer sur mon bras parce que j'ai les bras moi qui marquent bien. Je vous le confirme. Hop et... Voilà, pas si vous le voyez bien, ça fait ça. Voilà, on va faire sur votre main. Allez, continue, je vais nettoyer un peu. Ah, j'en prends soin parce que j'ai flashé dessus, c'est un petit peu bavouillé. On va faire l'autre ligne. On va commencer, on dirait un vert duochrome, ok, comme ça, enfin, c'est très difficile, je le verrai en caméra, c'est un violet avec des reflets verts, très joli, après il y a un sorte bleu vert, qui est un bleu avec des reflets dorés, le petit argenté doré pardon, au centre, qui a aussi un tour, ils sont tous du chrome. Là, vous voyez. Après, il y a un vert, celui-là. Alors, hop là, pointe comme ça, et un petit orange. On va le faire sur le petit pouce. Je la referme pour ne pas faire de bêtises. Pas si vous voyez. Et je vais me la passer sur le bras. Voilà. Ça. Pas si vous voyez. Voilà. Ma petite bague, je te remercie, Jenny, que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Alors. Là, j'arrête pour aujourd'hui. Elle est très très jolie. Maintenant, je n'ai plus qu'à me nettoyer avec les petites lingettes qu'on m'a offertes. Et je vais essayer de vous faire un maquillage avec. Je ne sais pas quelle couleur je vais attaquer, mais je vais bien trouver assorti à mon foulard. Allez, gros bisous!